Je viens d'arriver au parc des expositions. Grand merci à Thierry, que je connais, c'est une vieille connaissance, qui m'invite. J'ai ce privilège aujourd'hui de venir au Pro Day, les 3 jours pour les passionnés du deux roues. Je me suis prêté au jeu du... C'est quoi comme stand? WCAP. Ah oui, WCAP. Au jeu du pédalage et de watts. Bon, pour l'instant, je suis sur le podium, 3e. Et bien, vous faites ça en plus? Ouais. Nous, la marque en espace vert, c'est Cocher. Je sais pas si vous connaissez, on fabrique des chargeurs de tracteurs, des remorques agricoles. Oh, elles sont absolument magnifiques. Oh là là là, superbe. Beau stand, la plus belle présentation, ça reste quand même Solex. Voilà. Là, ils ont fait fort en déco. Magnifique.
en termes d'originalité, je crois que mon coup de cœur, je l'ai trouvé, c'est celui-là. Superbe design. Il est absolument magnifique, ce vélo. Superbe. Alors, dans le passé, j'ai eu un BH. C'était le Comp Team. Et là, depuis, il y a pas mal d'années qui sont passées. Et là, celui-là, il est absolument magnifique. Sa forme, elle est chouette. Ah, c'est incroyable. Oh là là, comment ça répond là, plus. Ah, une moto ce truc. Vraiment de la tuerie ce vélo de chez BH. Franchement, chapeau. Alors, ce vélo X-Step de chez BH est absolument fabuleux. Moi qui suis un ancien motard, je peux vous dire que la position que vous atteignez une fois en selle, c'est vraiment d'un très grand confort. Just let me write and it keep dripping from my signature. I feel like your body inspired my intentions. You left the squad hanging, it's only time with us. You know I vibe different cause you know my mind different. Her eyes say in my room, her body say in heaven. Oh God. Tell me what you want, I go repeat. Tell me what you need, I go deep, deep, yeah. When I fall in love, I go deep, deep, yeah. You can copy that like it's easy, yeah. You look like you need proper. Come get this vitamin D power, proper. Be ready to touch when I reach it, yeah. I go eat it up, I know vegan, yeah.
I make that thing go wild. I go make that thing run water. I go make you sing my song. There's a meeting in my bed. Alors, je vous montre un petit peu, on va retourner l'écran là. Bon, vous voyez, là je suis en off. C'est-à-dire que je pédale sur un vélo tout à fait normal, sans assistance électrique. Et où c'est bluffant, c'est que le vélo reste léger, malgré sa silhouette, hein, ses gros tubes. Il est très très léger. Voilà, bah, si je passe en assistance électrique, écho. Piste. Oh là là, déjà là ça commence à accélérer. Franchement, ce que je trouve d'impressionnant, c'est quand on voit toute cette mécanique, la fourche, les roues, les jantes et un poids très peu élevé en fin de compte. On a l'impression que que ce vélo vous amènerait à 100-120 km/h quoi, sans problème. Et c'est ça qui est impressionnant aujourd'hui. Non seulement les vélos sont électriques, mais là on a atteint un confort et une position motard. Alors quand je dis motard, bien sûr, monde custom, hein, la culture custom. On a une position custom sur ce vélo, très relax, très tranquille, très confortable. Bon, attention, c'est pas un vélo après avec lequel on attaque le Mont Ventoux, hein. Ça reste de la super bonne balade. Bon, allez, c'est parti. Oh, ça va être du 28 à l'avant. Alors, pour celui déjà qui veut faire du tout terrain, vu que c'est la grande mode, hein, il commence avec ça. Ça peut être un réel plaisir. Vous avez des gros freins à disque à l'avant. Ouais, Thierry, je dois te dire que ton salon était magnifique. Rien à dire, super, bravo. Bravo à vous tous, parce que là, vous nous offrez du beau. Hein. Il y avait vraiment du beau à voir. Et puis en plus, bah, ça tombe bien, il faisait beau. Et puis de pouvoir faire un salon comme ça, de déambuler dans les allées sans trop de monde, uniquement avec les constructeurs, bah, c'est sympa. Alors, bah, au plaisir, et puis bonne fin de pro-day à toi.